te coiffe. Hello à tous, c'est le matin, c'est le dernier jour d'école. Viens, viens que je te coiffe. C'est le dernier jour d'école et on est très en retard. Quoi? De quoi? Mais non, ça va pas tirer. Mais non. On est très en retard, tourne-toi. On est très en retard. Comme d'hab. Parce qu'on a traîné. Parce que c'est le dernier jour. Tu vois que ça fait pas mal. Vas-y, tourne-toi. Regarde, regarde comme t'es jolie. Regarde, regarde ici. Regarde comme t'es jolie. Tu es pas jolie. Mais si tu es belle. Allez, va mettre ton casque, on y va. C'est parti. Loïs, on est très en retard. Ouais. Il faut y aller maintenant parce que c'est vrai qu'ils vont pas nous laisser rentrer. Vas-y, je vais sûrement les. Mais ils vont pas te laisser rentrer non plus. T'es prête? T'es prête? Pour le dernier jour d'école? Check. Mais papa, il. Allez, vas-y, va allumer la lumière. Va vite allumer la lumière. Dernier jour d'école, on a récupéré les cahiers. J'ai hâte qu'elle soit chez les moyens. Après, je me dis là, je me mets la pression du coup, parce qu'on n'a pas encore choisi nos vacances. De toute façon, Loïs, il n'est pas en congé avant fin juillet. Donc, j'ai au moins 2 semaines là où je sais pas comment je vais faire pour tout gérer parce que. Quoique aussi. Parce qu'en fait, j'ai quand même beaucoup moins de travail là au mois de juillet. Et au mois d'août que sur le reste du temps, je me débrouillais. C'est juste que on a pris l'habitude. Je sais pas pourquoi je vais dans le frigo. J'ai pris l'habitude de pas l'avoir toute la journée. Après je l'ai quand même régulièrement toute la journée ma fille. J'ai plus les tasses. Ah mais non, elle les a planquées ailleurs. Et oui, je parle toute seule, tout va bien. Je sais même plus ce que je vais vous dire. Oui, donc bref, du coup tout va bien. Là, c'était sympa là le dernier petit déj. Je suis dégoûtée, je vais plus avoir ma copine. Je vais plus avoir ma copine à la rentrée prochaine, la maman de Zoé, parce qu'elle s'en va. Je suis dégoûtée. Bon, j'ai un petit peu de temps avant qu'elle s'en aille, mais quand même. Elle s'en va. Donc, il n'y aura plus. Il n'y aura plus les petits délires, mais bon. C'est pas grave. Non, mais... Je crois qu'on peut faire ça. Bon bref, ce matin j'ai un coup de fil à passer à Laure, le montage du vlog et puis on se retrouve après. Le vlog est en train de charger, la miniature est faite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ménage là, un rangement. Parce que ça commence à partir en cacahuète dans cette maison. Et qu'après je réattaquerai je reprendrai le montage de la vidéo sur la contraception. Cette vidéo, j'espère qu'elle va être bien et qu'elle vous plaira. Parce que franchement je trouve qu'elle est dure à faire. Elle est dure. Mais c'est des sujets qui sont importants à traiter, donc je vais le faire et j'en ai d'autres qui me viennent. N'hésitez pas à m'en mettre en commentaire d'ailleurs. Mais bon, c'est parti pour le ménage, hein? Vous m'aidez? Parce que je n'ai plus de nettoyant, j'avais oublié, j'ai plus de vinaigre ménager, donc là je vais aller en racheter. Je prends un petit sac et puis comme ça je me prendrai un truc à manger vite fait aussi. Et c'est parti aux courses. Bon, ça y est, j'ai fait mes courses. Aïe, oh, j'arrête pas de me prendre le mur, c'est pas possible, j'en ai marre. Bon, j'ai pris juste du vinaigre à concombre, j'ai pris 2 vinaigres différents, j'ai repris le vinaigre ménager. Monoprix parce qu'il était pas trop mal et il était pas cher. Il n'y a même pas de compo, donc c'est vraiment que du vinaigre, je pense. Et j'en ai pris un autre de la marque Onyx Bricolage Vinaigre Ménager Parfum Citron parce qu'il était moins cher aussi. Il était à peu près le même prix que le Monop, je crois. Et je voulais voir ce qu'il donnait parce que je suis une grande ouf de vinaigre ménager. Pour ce midi, je me suis pris ça là, les petits légumes à croquer et un concombre. De toute façon, je n'arrive pas à manger correctement, c'est-à-dire que je n'arrive pas vraiment à finir mes assiettes, quoi que ce soit. Donc je préfère prendre des trucs méga légers et là je vais manger puis je finirai mon ménage après. Hein, de toute façon. On fait une pause, là il fait trop chaud, donc je vais juste manger et je reprends le ménage tout de suite après.
En fait, je vais simplement manger devant cette vidéo que dont j'arrive pas à venir à bout. Il y a un milliard de boulot dessus et clairement, en gros, j'en suis là et j'ai encore tout plein de trucs à faire dessus. Les gars, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la vidéo, je l'importe, je vérifie qu'elle est bien, la miniature est prête et je vais vous la poster aujourd'hui. Aujourd'hui pour le vlog quoi. Vu que ce sera samedi et que c'est le bon moment pour la poster, je pense je vais d'abord la faire regarder à des personnes de confiance pour être sûre de ce que je dis, hein, clairement qu'il n'y ait pas des trucs qui soient faux ou tout ça. Donc voilà. Dans une heure il faut que j'aille récupérer Liora. C'est la fin de son dernier jour, mais là du coup je vais en profiter pour terminer mon ménage. Maintenant que j'ai mon vinaigre, je peux m'y remettre. La flemme. J'ai envie de faire une sieste. J'ai juste pas eu le temps de faire la cuisine, mais c'est pas très grave. Là, je vais chercher Ellie. Il y a ma mère aussi qui va, qui va venir nous récupérer parce que je l'accompagne chez le veto, emmener Josette. On va profiter un peu du jardin parce que j'ai assez de batterie. J'ai un petit peu de batterie. Je vais prendre mon câble de téléphone pour mettre à charger. J'ai mal au ventre. Il faut dire que je mange pas beaucoup la journée en ce moment, ni le soir d'ailleurs. Donc je pense que c'est un peu ça. Hop, et je vais récupérer ma poupée. C'est son dernier jour d'école. Ça va être cool. J'ai retrouvé ma maman et ma fille. Alors Ellie, c'était le dernier jour de l'école? Oui, c'était le dernier jour, on va plus en école. Pendant 2 mois, on va plus. On retournera à la rentrée en septembre. Après Ibiza, on retournera. Dans une nouvelle classe. On retournera après Ibiza. On ira chez les moyens. Avec une nouvelle maîtresse. Mais tes copines, elles seront là? Ah bon. Bon, je vois qu'elle est un peu contrariée. Elle qui voulait plus aller à l'école, elle est un peu contrariée finalement de plus y aller. Bon, sinon, on va chez mamie. On prend Josette et on emmène Josette chez le vétérinaire. On va laver Josette. À la douche, 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 Josette. À la douche. Josette Crado, Josette Crado, Josette Crado. Elle est contente. Maman, elle a lavé la chaîne, elle fait n'importe quoi. Viens là. Allez, viens Josette. Allez Josette. Allez mon chien. Allez mon chien. Allez viens. Allez viens. Allez viens. Elle court. Elle court après avoir été lavée. Elle fait. Là, vous avez pas vu, c'est dommage, j'avais pas la caméra. Mais elle court, elle fait tout le tour du jardin. Non, sors pas là, chérie. On va aller se balader chez le vétérinaire. Elle est Jack Russell. Voilà pourquoi elle est plus heureuse dans le jardin de ma mère. Oui, mon amour. Oh, ma Josette. Comment ça va? Ça va? Ça va, mes filles? Ça va, mes filles? C'est ma fille. C'est ma fille. Toi, c'est ta soeur. Si, si, je l'ai eu avant toi, même. C'est ta grande soeur, Josette. Toi, t'es sa petite soeur. Non, Josette, je ne traîne pas. Tiens, viens là. Écoute-toi, écoute-toi, Josette. Les aventures de Josette et Eliora. Ça va Jojo? C'est ma Jojo. C'est où Josette? Elle est là. Je me dis ça maman. Pour aller où? Pour visiter. Voilà la Josette, elle avait rien de grave la Josette, c'était on lui a refait le vaccin de la rage et il y avait un autre truc avec je crois. Ouais. Et en plus on a pris vermifuge et antipuce. Voilà. Une petite addition bien sympathique. Ouh, Josette elle est rentrée dans la maison, on l'a déposée, il y a des dodanes partout sur la route. Alors je vous parlais, je suis comme ça, un peu comme si j'étais dans un bateau. Moi j'avais envie de passer à V2 mais mamie elle a pas envie. Donc je sais pas, tu veux passer au passage? Non, il n'y a plus trop. Il
n'y a pas grand chose d'hyper intéressant. Enfin, chez Zara, mais il faut fouiller et tout. C'est, j'aime pas. Voilà. J'aime pas trop. Bon, bah, on verra. Bon, ma fille a décidé de me laisser tomber. Elle a demandé à dormir chez ma mère. Donc là, je suis juste remontée chercher des affaires et je lui ai donné la voiture. Et elle va aller dormir chez ma mère. Remarquez, c'est pas plus mal. Ça me fait une bonne petite soirée pour moi. Ouais, bien voilà. J'ai plus d'enfants pour la soirée. C'est plutôt cool. C'est elle qui a demandé. C'est étonnant, elle demande jamais, mais là, elle a demandé. Donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'elle, elle guérit dans son petit cœur de mon papa. Bon, papa Loïs est rentré. Il est déjà à poil. Ouais, parce qu'il fait très chaud. Salut! Ça va? Tu remarques pas? Tu remarques rien dans la maison? Non, il a tellement l'habitude. En fait, il a tellement l'habitude de faire le ménage, que je fasse le ménage. Voilà, il a tellement l'habitude que je fasse le ménage que il a pas. Si t'oses me dire ça, voilà. Il a pas. Il a pas, il a pas. Bon, moi je regarde un truc là, j'ai reçu un truc, je suis pas contente du tout. Je vais appeler Laure. Voir si elle est contente. Mais je me suis fait hu par Loïs. Je suis dégoûtée, genre moi il m'a dit je regarde le match, tu commandes ce que tu veux. Mais moi je croyais qu'il genre il me disait je regarde le match de la France, mais qui est fini. Non non, il regarde le match d'après pour savoir qui est-ce qui va jouer contre la France, il va regarder le match. Mardi soir je suis pas là. Je vais lui tirer les poils comme ça. Mardi soir je suis pas là. T'es où mardi soir? Je regarde le match. Avec qui? Je sais pas en fait. Je tire les poils. Arrête! Bah non, je lui tire les poils. Je t'ai saoulé? Et tu veux que je te dise ça là pendant tout le match? Tire l'épaule avec les pieds. Il me donne des coups. Arrête. Il s'énerve. Comme un enfant, on dirait Liora. Bon, du coup, je vais commander à manger. C'est à boire aussi. Non. Il y a à boire au frigo. Et mais si j'avais su, j'aurais pas laissé Liora chez ma mère, tu vois. Parce que du coup, je vais passer la soirée toute seule en fait. Toi bien? Toi bien? Toi bien. Bon, voilà. Bon, moi je regarde la série Murder et pour l'instant c'est le premier épisode et j'adore mais grave. Loïs il regarde son foot et je vais manger enfin mes petites faritas que j'ai commandées et que j'ai reçues juste à l'instant. J'ai pris un thé avec des bubbles. Je vais goûter, savoir si ça me plaît ou pas. Ça a l'air très étrange comme ça. En plus il y avait plein de bubbles différentes dedans, de goûts de fruits différents dedans. Je sais pas trop ce que ça donne. Bon, ma série Murder c'est de la bombe atomique les gars. Faut que je branche le wifi, c'est fait. Là je vais goûter, on voit rien du tout, la glace pistache fleur d'oranger et je prends un petit peu de glace calisson de chez Picard, c'est ma favorite de chez favorite avec l'autre dont je vous ai parlé de la fabrique Givré. Ouais, ça s'appelle déjà chérie, c'est date fleur d'oranger, ça c'est de la bombe atomique et celle-ci je la connais pas, je vais goûter parce que j'adore la pistache et la fleur d'oranger. Ça va, je te dérange? Je suis obligé de mettre... Ah t'es obligé de faire quelque chose, faudrait allumer les bougies aussi s'il te plaît. Bon du coup c'est ouais, parti. Bon, donc du coup, je vais me mettre à la lumière de la bougie. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà, je suis toute rouge. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Hein, voilà. Enfin, je suis toute floue, surtout, j'en peux plus de cet appareil. Bon, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye! Every season.